Alors moi je travaille pour ALX System. Donc quand on a entendu parler du hackathon, on s'est dit que c'était une bonne occasion, on est venus tous ensemble, alors en équipe. Donc après discussion avec les différents porteurs de projet, on a choisi de travailler sur le projet de Handicap International, logiciel de sensibilisation aux problématiques liées aux chaises roulantes. Donc nous on a essayé de faire ça en Unity, une technologie qu'un seul de l'équipe maîtrisait, donc on a pu apprendre cette technologie tous ensemble, ce qui était vraiment très sympa. Donc moi je garde d'expérience un très bon souvenir, on a réussi à finir notre projet dans les temps, on a exactement ce qu'on cherchait à atteindre et on a pu faire ça dans un cadre où on n'avait jamais codé aucun d'entre nous. Je m'appelle Paolo, je viens de la Parse Prasteria au Hacking the Hoot avec un de mes collègues. On travaille sur le projet pour Vermicompost, un aspect gamification où le compost serait le jeu. Et on aurait une application qui mettrait tous les gens qui ont un compost en communauté. Ils pourraient comparer les différentes valeurs de leur compost et leur score pour pouvoir se classer. On a utilisé un kit IoT pour ça, pour simuler les données récoltées dans un compost. Alors, on est venu en équipe de Afelio et du groupe NRB. C'était notre premier hackathon tous ensemble, même si plusieurs personnes ont déjà participé à d'autres événements. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble, c'était une expérience très sympa, c'était un premier contact aussi entre collègues, donc il y avait un effet de team building, c'était très, très sympa.